sommes là pour toi, Jésus. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous une forme corporelle, sous une forme de colombe, une voix s'est fait entendre des cieux et le Père a dit: tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. La première révélation de l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit d'adoption pour nous dire que nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu dit qu'il nous aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répondra à son amour ce matin? Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui répondra: Père, je t'aime également. Par le Saint-Esprit qui a répandu ton amour dans mon cœur, je dis que je t'aime ce matin. Jésus, oh, je t'aime. Je t'aime, Jésus, Jésus, oh, je t'aime, Jésus, oh, je t'aime. Je ne peux vivre sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta parole. Sans ta présence. Je ne peux vivre sans ta présence. Sans ton amour. Je ne peux vivre sans ton amour. Oh, je t'aime. Disons Jésus, Jésus, oh, je t'aime. Oh, nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Jésus, oh, je t'aime. Nous avons eu la grâce d'être appelés fils de Dieu. Jésus, Jésus, oh, je t'aime. Il nous a donné la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Jésus, oh, je t'aime. Oh, quelqu'un dit encore avec moi: Jésus, Jésus, Jésus. Répondons à ton amour, Jésus, Jésus, oh, quel amour, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, oh Jésus, je t'aime, Jésus, oh, je t'aime, oh, je... La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oh Jésus, Jésus, oh, je t'aime. Je ne peux vivre sans ta parole. Ton amour est versé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Oh, je t'aime. Je ne peux vivre, non, je ne peux vivre sans ta parole. Amour.
je ne peux vivre, sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta présence. Je ne peux vivre sans ton amour. Oh, je t'aime. Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Je ne peux. Je ne peux vivre sans ta parole. Sans ta à qui d'autre irions-nous, parole, Seigneur Jésus-Christ? Tu as les paroles de la vie. Je ne peux vivre sans ta présence sans ta au quotidien. Alléluia. Présence. Je ne peux vivre. Je ne peux sans ton amour. Sans ton rien ni personne amour. Ne me séparera de cet amour. J'ai besoin que quelqu'un déclare encore avec moi, qu'il déclare avec moi, je ne peux vivre, je ne peux vivre, je ne peux vivre, je ne peux vivre sans ta parole, sans ta Alléluia. Parole, Dieu, je ne peux vivre sans ta présence, sans ta présence, je ne peux vivre sans ton amour, sans ton Alléluia. Des flots d'amour coulent encore ce matin. Des flots d'amour coulent encore ce matin. Et nous disons que nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que nous t'aimons. Je ne peux vivre. Je ne peux vivre sans ta parole. Je ne peux vivre sans ta sans ton amour. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Tu m'as aimé, je t'aime, je t'aime, oh je t'aime, oh je. Tu m'as justifié gratuitement, je t'aime, je t'aime, oh je. Je vois l'œuvre de la croix et je vois l'amour du Père, oui je t'aime. Je vois l'œuvre de la croix et je dis ma vie est glorieuse car tu m'as aimé. Invariable, immuable, ton amour est pour nous, oui je t'aime.
est profond, il est haut, il est vaste. Ton amour est incomparable. Oui, je t'aime. Jusque dans les profondeurs du séjour des morts, ton amour nous atteint. Oui, je t'aime. Oh, plus élevé que les cieux, ton amour dépasse toutes les montagnes, tous les cieux. Oui, je t'aime. Oh, plus large que les océans, que les océans. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Roba Santa Bayendereba. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu es mort pour nous. Alors que nous étions des impies, tu es mort pour nous. Tu as démontré ton amour pour nous. Oh, merci pour cet amour. Fais-nous connaître ton amour, l'amour du Père, qui soit répandu dans nos cœurs abondamment ce matin. Que la grâce du Fils soit répandue dans nos cœurs abondamment encore ce matin. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Sakahanda indaraba, ondoboshe. Rabahanda inda rabahanda bosa, ikaraba santa inda rabahanda. Ho mata inda rabahanda inda basaka inde, yekere bahanda inda basondo boshende rebe. Reba santa inda basaka inde rebe. Ha rabasante inda rabahanda boshende rebe. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Oui, Seigneur, ta grâce est toute suffisante. Et elle est là ce matin avec nous. Je prie qu'elle se répande partout, en tout lieu, dans nos cœurs, qu'elle s'ancre en nous et qu'elle se répande dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire bonjour au voisin qui est à côté de toi? Dis-lui bonjour, fils de Dieu, bien-aimé de Dieu, ambassadeur de Christ, ministre de la réconciliation. Salue le bien. Salue le bien encore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore ce jour, qui est toujours avec nous, qui marche à nos côtés, qui nous conduit pas à pas. Alléluia. Pâques approche, n'est-ce pas? J'espère que chacun de nous, nous sommes prêts à recevoir et à célébrer la victoire de Christ qui a fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu aujourd'hui. Sans cette œuvre de la croix, aucun de nous ne serait là en ce jour. Nous serions encore dans nos péchés, dans la perdition. Mais le Seigneur est venu nous faire grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les baptisés sont là? Il y en a quelques-uns? Ah, ils viennent tous au deuxième culte. Ok, d'accord. Hier, nous avons eu un service de baptême et nous voulions les attendre pour le deuxième culte. À toi qui es là, qui n'est pas encore passé par les eaux du baptême, le Seigneur Jésus nous a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen.
Et celui qui ne croira pas sera condamné. Alors le baptême fait partie de l'obéissance que nous devons à notre Seigneur, lui qui est venu nous sauver. Amen. Alléluia. Notre pasteur n'est pas là, il sera là aussi au deuxième culte. Il se prépare pour le séminaire de Pâques. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur la grâce de Dieu dans la vie de Rahab. La grâce de Dieu dans la vie de Rahab. Qui connaît Rahab ici? Bon, il y en a d'autres qui ne connaissent pas Rahab. La grâce de Dieu dans la vie de Rahab. Nous commençons d'abord par lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Lisons ensemble. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dimanche passé, pasteur nous a parlé de cet homme qui respirait le meurtre, qui respirait la violence. Mais cet homme qui était un terroriste, Dieu en a fait le plus grand prédicateur de l'évangile. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un comme Ben Laden devenait un ministre de l'évangile. Est-ce que ça passe dans ta tête? C'est dur. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Parce que quand c'est des temps anciens, on n'arrive pas à faire la comparaison. Mais aujourd'hui, prends un Ben Laden, un terroriste, Ben Laden, devient prédicateur. Il fait une conférence ici à Casa. Tu vas partir ou bien tu ne vas pas aller? Je pense que tu vas plus aller pour voir sa tête. Pas tellement pour écouter. Voici l'étendue de la grâce de Dieu. Il n'y a rien que la grâce de Dieu ne puisse pas surmonter. Il n'y a aucun péché, aucune difficulté dans laquelle on puisse être plongé, de laquelle la grâce de Dieu ne peut pas venir nous tirer. Et il a pris l'apôtre Paul comme un témoignage pour nous tous. Et lui-même, il le dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dans Galates, il dit que celui il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Et pourtant, il est sorti en train de faire des mauvaises choses alors qu'il avait déjà été consacré dès le sein de sa mère. Mais la grâce de Dieu n'est pas limitée. Elle n'est pas dépourvue. Elle n'est pas triste. Elle n'est pas angoissée. Elle se dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Elle sait qu'elle est puissante. Elle est toute puissante pour aller retirer quelqu'un du fond du trou pour l'amener le faire asseoir avec les grands. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Et c'est par cette grâce que nous pouvons vivre et régner. C'est par cette grâce que nous pouvons dominer. C'est par cette grâce seule que nous pouvons régner. Sans cette grâce, si tu veux aller avec tes mérites, avec tes forces, tu seras toujours limité. Si Saul de Tarse se disait, mais Seigneur, je ne peux pas accepter ça comme ça. C'est moi qui ai quand même tué. J'étais là quand on tuait Étienne. J'étais là, j'ai tué des gens. Non, il a tout mis de côté, ses péchés, tous ses manquements de côté. Et il a reçu simplement la grâce qui lui a été faite. N'essaie pas d'expier tes fautes par toi-même. Il y a un qui l'a fait à la croix. Il suffit d'être humble et de dire, je reçois. Je reçois cette grâce et je marche dans cette réalité simplement. Tu peux errer dans le désert pendant des années, simplement parce que tu veux payer. C'est le signe que tu es un peu orgueilleux. Il n'y a rien à payer, tu ne peux pas payer. Et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il a donné sa grâce. Dis avec moi, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ne sera pas vaine. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis.
Un homme comme Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 40, on nous dit qu'il croissait et que la grâce de Dieu était avec lui. Que la grâce de Dieu était avec lui. Ça veut dire que Jésus, l'homme sans faute, l'homme sans iniquité, avait besoin de la grâce de Dieu pour vivre. Tu comprends? La grâce de Dieu est le moyen par lequel Dieu fait les choses. Parce que la grâce est d'abord une faveur imméritée. Mais pas seulement une faveur imméritée, elle s'accompagne d'une capacité surnaturelle. Donc quand Dieu te fait grâce de quelque chose, il te donne aussi la capacité de cette même chose. Il te donne aussi la capacité de cette chose. Et c'est pour cela que nous allons voir ce matin une histoire. Rahab. Plusieurs ne connaissent pas son histoire, mais nous allons ouvrir ça dans Josué chapitre 2. On a lu ça il n'y a pas longtemps dans ceux qui suivent la lecture en un an. On a lu ça dans ces derniers temps. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, verset 1er. La Bible dit, Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchaient. Dis avec moi, Rahab. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays, tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont partis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte il y a 40 ans, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Et elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Et après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête.
Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et s'en allait. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Amen. Amen. Alléluia. Il reste encore 4 versets. On va finir. Il partit et arrivait à la montagne où il restait 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tout le chemin, mais ils ne les trouvaient pas. Les deux hommes s'en retournaient, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » C'est fini? Ok. Voilà. Voilà l'histoire de Rahab. Pour ceux qui n'ont jamais lu cette histoire, vous avez l'histoire exhaustive. Voici une dame prostituée. Le verset 1 et 2 dit que Josué a envoyé 2 espions. Ils sont allés dans le pays, en particulier à Jéricho, et ils sont arrivés dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Et ils sont restés là. Ça veut dire que la renommée de Rahab s'était répandue à travers les frontières. Tu vois, quand tu vas dans un pays, il y a des coins qu'on connaît même avant d'arriver. N'est-ce pas? Il y a des coins comme ça qu'on connaît avant d'arriver. Tu sais que si tu arrives là, ici, c'est comme si elle gérait une boîte de nuit. C'est comme si elle gérait un club à elle. Et tout le monde connaissait l'adresse de sa maison. Il n'y avait pas besoin d'aller quelque part. Rahab recevait tout le monde. Rahab était sa renommée était telle que ça l'avait précédé au-delà des murs de Jéricho. Est-ce que vous comprenez? Rahab était une femme qui était désignée par le terme la prostituée. Si tu veux savoir qui elle est, il faut ajouter la prostituée. C'est comme il y a des gens, quand tu veux indiquer qui ils sont, si tu ajoutes un certain indicateur, ah oui, je connais. N'est-ce pas? C'est ça. Quand tu dis Rahab, on dit, ah, de qui tu parles? Oh, la prostituée. Ah oui, d'accord. Sa renommée était allée au-delà. Et Ecclésiaste me dit que la bonne renommée est comme un bon parfum. Parce que la renommée, elle s'en va. Elle s'en va. Et Proverbe nous dit qu'une bonne renommée est préférable à de grandes richesses. La renommée est comme un parfum qui s'en va. Mais si ta renommée est comme de la puanteur qui est partie partout, de telle sorte que tout le monde entend, sans cette odeur, à 1000 km à la ronde. Dès qu'on t'entend arriver, on fuit déjà. Personne ne veut être à côté. Ça veut dire que déjà tu es mal barré, entre guillemets. Tu es dans une situation difficile. Et voici une femme dont la renommée est allée au-delà des frontières. Par un terme non glorieux, la prostituée. Mais Jésus est celui qui est venu nous montrer qu'il est venu aussi pour la prostituée. Au cours de son ministère, il s'est arrêté à bien de reprises pour sauver des femmes prostituées. Ça veut dire que pour Jésus, cette femme avait toujours gardé sa valeur au fond de son cœur. Sa valeur n'avait pas changé. Même si les hommes ont trouvé qu'elle n'avait plus de valeur, elle a été dégradée, touchée par des milliers d'hommes. Oh, pour Jésus, c'est cette même image et cette même ressemblance que lui, il voyait toujours. C'est ce même enfant qu'il voulait sauver. C'est cette même dame qu'il voulait sauver. Et au fond du cœur de Rahab, elle le savait. Tout comme au fond de ton cœur, tu le sais. Malgré la mauvaise réputation, malgré la renommée désagréable, tu sais au fond de ton cœur qu'il y a un Dieu qui quand même t'aime. Tu le sais. Et je suis venu ce matin amplifier la voix du Seigneur. Amplifier la voix du Seigneur qui est au fond de ton cœur. Pour te dire, aussi loin que ta renommée a pu aller, dans le mauvais sens, la grâce de Dieu, elle va surabonder et effacer toutes ces choses au nom de Jésus.
Rahab ne s'est pas assise et a commencé à compter le nombre de ses péchés. Non, elle a levé les yeux sur celui qui a fait tant de miracles. Elle donne un témoignage. Elle dit, nous avons entendu ce que vous avez fait en Égypte, ce que votre Dieu a fait en Égypte. Nous avons entendu de quelle manière il a séparé la mer Rouge. Cela faisait déjà 40 ans. N'oubliez pas qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Mais pendant 40 ans, la renommée du Seigneur voyageait de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville. Les autres étaient effrayés pour se protéger. Rahab, elle s'est dit, je veux m'identifier à ce Dieu-là. Lui, il peut me sauver. S'il a pu ouvrir la mer Rouge pour faire passer son peuple, il peut me sauver de mon propre désarroi. Il peut me sauver de ma propre misère. Il peut me sauver des choses que je ne peux pas, dont je ne peux pas me délivrer moi-même. La grâce de Dieu. Et voici comment la grâce de Dieu s'est manifestée à Rahab. Par une visite. Vous savez très bien que le peuple d'Israël, c'est un peuple saint, mis à part. Ils n'étaient pas censés aller dormir chez une prostituée quand même. Mais on y voit la grâce de Dieu. La visite de Dieu. À aucun moment on ne voit que ces hommes sont allés pour se dévergonder avec Rahab. Mais ils sont entrés dans sa maison. Dieu te visite régulièrement. Tout le temps. Et c'est le signe de son approche. C'est le signe qu'il est en train de te dire, je ne t'ai pas laissé. Non. Le fait même que tu sois ici en ce moment est le signe de la visitation de Dieu. Dieu te visite régulièrement avec sa parole. Il te visite régulièrement à travers les frères et les sœurs. Il te visite régulièrement par son esprit. Et Rahab a su reconnaître la visitation de Dieu. Parce que quand les espions sont entrés dans sa maison, elle a vu dans son esprit que le salut est entré dans sa maison. Tout comme quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, il lui a dit, le salut est entré dans cette maison. Parce que lui, il est le salut en lui-même. Et ses espions portaient l'image de Christ. Ils sont entrés dans sa maison. Dans la maison où on pouvait se cacher, parce que tout le monde va là-bas. Mais Rahab, elle n'a pas vu seulement deux personnes. Elle a vu Dieu venir à son secours. Est-ce que tu vois Dieu venir à ton secours régulièrement? Ou bien tu rejettes sa visitation? Est-ce que tu vois Dieu venir te visiter par sa parole régulièrement? Est-ce que tu vois Dieu venir te visiter à travers tes frères et tes sœurs? Est-ce que tu vois Dieu te visiter régulièrement? Dieu nous visite régulièrement pour nous apporter sa grâce, régulièrement. Aujourd'hui encore, Dieu te visite. Par son esprit, il te visite. Par sa parole, il te visite. Par les frères et sœurs, il te visite régulièrement pour te faire du bien. Mais la troisième chose que Rahab fait, elle prend position. Elle prend position. Elle ne s'est pas juste contentée de dire, bon, je vous ai reçu, c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Non, elle témoigne, elle ouvre sa bouche et elle déclare que l'Éternel seul est Dieu dans les cieux et sur la terre. Elle déclare ça. L'Éternel seul est Dieu dans les cieux et sur la terre. Dieu attend ta déclaration. Dieu attend ta confession. Dieu attend ta prise de position. Il ne veut pas que tu restes au milieu en attendant que sa grâce vienne. Il veut que... Prends position. Prends position. Rahab a pris position simplement par sa confession. C'est pour ça que dit que celui qui croit dans son cœur parvient à la justice. Mais celui qui confesse de sa bouche parvient au salut. Amen. Jésus demandait régulièrement à ceux qui venaient à lui, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourtant, ils voient très bien qu'ils sont aveugles. Mais il y a des aveugles qui ne veulent pas voir. Il y a un monsieur qui avait mal aux pieds. Il était handicapé. Et il est parti dans une réunion de prière où on priait pour les malades. Le pasteur lui a demandé, est-ce que tu crois que Jésus est capable de te guérir? Il a dit oui. Il dit, donc maintenant on a prié pour que tu sois guéri. Il a demandé, mais si on prie là et que je suis guéri, est-ce que je dois aller à l'État pour dire que je suis guéri? Le pasteur dit, mais évidemment que tu dois aller leur dire que tu es guéri.
Il dit, ah, si c'est ça, faut laisser. Pourquoi? Parce qu'il recevait des allocations handicap. Il ne se voyait pas perdre ses allocations et retrouver ses pieds. Il dit, si on peut me guérir et puis je continue à recevoir, je suis d'accord. Mais si je dois aller dire la vérité, il faut me laisser comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser comme ça? C'est son choix. Pour nous dire, dans telle situation, tu as besoin de dire, c'est Dieu qui est ma solution. C'est Dieu qui est mon refuge. C'est Dieu qui est mon soutien. C'est Dieu qui va me tirer de là. C'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui a la solution. C'est Dieu qui me fait régner dans cette situation. C'est Dieu. Tu dois dire, Jésus est celui qui me sauve de cette situation. S'il y a autre chose que Jésus dans ça là, si Rahab avait reçu les invités, et qu'elle sait-tu? Ils vont dormir, ils vont partir. Ou bien? Vous pensez qu'ils vont faire toutes ces promesses-là? Parce qu'ils répètent souvent du serment que tu nous as fait faire. Est-ce que vous avez suivi ça, non? Que tu nous as fait faire. Donc Rahab a pris possession de ce qui est venu à elle par la foi. Elle a vu que Dieu la visitait. Parce que certainement, elle dit, nous avons appris. Ça veut dire que Rahab a pensé à ça régulièrement. Rahab a pensé à ça régulièrement. Rahab a pensé à ça régulièrement. Nous allons être détruits. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment on va faire? Et Dieu est venu la visiter. Tu penses à des situations régulièrement. Tu te demandes, comment je vais faire pour sortir de cette situation? Ben, Dieu te visite. Prends position simplement. Et ta bouche dit, c'est Dieu qui me sort de cette situation. C'est Dieu qui me fait régner dans cette situation. C'est Dieu qui est Dieu dans les cieux et sur la terre. Après sa prise de position, Rahab fait une prière. Au verset 12, elle dit, je vous prie, jurez-moi que vous allez avoir la même bonté. Quand tu sais que Dieu est la solution, il te dit dans Hébreux 4, verset 16, approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans tes besoins. Tu sais que c'est lui qui est la solution. Approche-toi de lui. Parle-lui. Dis-lui quelque chose. Ne laisse pas la bouche fermée. Non. Approche-toi afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Après ta prise de position, la prière au trône de la grâce, ce n'est pas ta prière qui va faire que tu vas... Ta prière est un moyen de recevoir. C'est un moyen de recevoir. Il y a des gens qui ne prient pas pour les situations dans les par lesquelles ils passent. Dit le jour où Dieu veut, il le fera. Non. Non. C'est comme s'il y avait ton colis quelque part à la poste. Si tu ne vas pas le récupérer, eh ben, il va rester là-bas pour l'éternité. Mais ce n'est pas parce que tu es parti à la poste que le colis est venu. Parce que si tu n'as pas de colis à la poste, même si tu pars à la poste, on ne va rien te donner. Oui ou non? Voilà. Parce qu'il ne faut pas dire, c'est ma prière qui a fait que j'ai été guéri. Non, pas la prière, j'ai reçu la guérison. Mais c'est Dieu qui m'a donné ça. Mais Dieu veut que nous prions en tout temps, par des prières et des supplications, nous fassions connaître à Dieu nos besoins. Si tu as un besoin, tu gardes ça dans ton cœur, tu ne dis pas, il y a un problème mon ami. Et verset 18 de Josué chapitre 2. Il dit à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi ton père et ta mère. Nous allons nous arrêter sur le cordon de fil cramoisi.
Le cordon de fil cramoisi, c'était le signe. Malgré le fait qu'ils savent très bien que c'est ça, c'est la maison de Rahab. Ils le savent, hein? Mais ils ont demandé le signe du fil cramoisi sur la fenêtre de sa maison. Et ça devait rester là-bas. Dès qu'ils sont sortis, Rahab a mis ça jusqu'au jour où ils sont venus prendre Jéricho. Cela nous dit quoi? Cela nous dit que nous devons nous appuyer totalement sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Le fil cramoisi est l'image de ce que Jésus a fait à la croix. Vous savez, le cramoisi, c'est une couleur, n'est-ce pas? C'est une couleur rouge. Mais elle vient d'un verre. Un petit verre. Qui, quand les femelles, ce sont les femelles qui donnent cette couleur-là. Le mâle ne donne pas la couleur. Mais quand les femelles sont prêtes à pondre leurs œufs, elles partent s'agripper sur un arbre. Elles s'agrippent profondément sur cet arbre-là. Et elles s'encrassent avec l'arbre. On ne peut plus les détacher de l'arbre. Et en ce moment, elles vont commencer à pondre leurs œufs. Mais elles-mêmes, elles sont accrochées à cet arbre-là. C'est-à-dire, c'est une naissance qui veut dire en même temps la mort. Parce que quand elles s'accrochent, elles ne vont plus vivre. Et en donnant naissance, il y a cette couleur, elle se transforme et il y a cette couleur rouge qui sort et qui devient le cramoisi. C'était l'image. Ce ver que Dieu a créé depuis la création portait en elle l'image de Jésus. On nous a enseigné que quand tu lis les Écritures, demande-toi où est Jésus. Mais même dans la création, Jésus est là partout. Son image est là partout. Sa gloire est là partout. C'est pour cela que Dieu dit qu'il peut juger tous les hommes. Parce que même dans la création, Dieu a laissé son image là-bas. Et ce ver cramoisi là qui meurt en laissant le rouge qu'on utilisait maintenant après pour teindre les habits, c'était l'image de Christ à la croix. Qui s'est attaché au bois de la croix totalement, entièrement, pour nous donner la vie. Et en nous donnant la vie, il est mort lui-même. Son sang a coulé lui-même pour que nous soyons sauvés. L'œuvre de la croix est ta récompense, est ton appui. L'œuvre de la croix est ce sur quoi tu dois te baser. Ne t'appuie sur rien d'autre que sur l'œuvre de la croix. Ne t'appuie sur rien d'autre, absolument rien d'autre. Parce que Dieu ne fait pas les choses parce que tu as reçu les doyens. Non, si elle n'avait pas mis ce fil, malgré le fait qu'elle ait reçu les espions, malgré le fait qu'elle ait confessé, malgré le fait qu'elle ait prié, elle n'aurait aucun salut. Parce que l'œuvre de la croix est sur laquelle Dieu regarde. Dieu ne fait pas des choses pour nous parce que nous avons fait des choses pour lui. Il fait des choses pour nous parce qu'il a déjà tout accompli à la croix pour nous. Il nous délivre du péché parce que nous regardons à Jésus qui à la croix est mort. Nous sommes morts à ce péché-là. Et il nous délivre de ça parce que nous croyons en ça. Pas par nos efforts, pas par nos compromis, pas par nos astuces, mais par l'œuvre achevée de la croix. Que chaque jour tes yeux soient portés sur cette œuvre, que tu regardes profondément, que tu scrutes profondément. Quel est le problème que tu traverses? Est-ce qu'il n'est pas à la croix? Est-ce qu'il n'a pas déjà été résolu à la croix? Quelle que soit la chose qui se passe, Dieu a déjà tout fait à la croix. Il n'y a pas un autre appui. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous sauver. Tu peux faire le tour du monde entier et tu reviens. L'œuvre de la croix est toujours là. Toujours valable, toujours d'actualité, toujours efficace pour sauver parfaitement ceux qui croient en lui. Regarde à la croix. Y a-t-il un péché? Regarde à la croix. Lis Romains chapitre 6. Ignorez-vous que vous qui avez été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Donc si nous sommes devenus une même plante avec lui en sa mort, nous le serons aussi dans sa résurrection. Et comme Christ ressuscité des morts ne meurt plus, nous aussi nous vivons en nouveauté de vie. Est-ce que tu te vois toi? Ainsi donc, regardez-vous vous-même comme mort au péché. Regarde cette chose-là, sur laquelle tu regardes-la bien. Et dis à Dieu, accorde-moi la révélation. La révélation que c'est fini, j'ai fini avec ça. Que je suis devenu une même plante avec toi. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est ainsi, quand il est ressuscité en nouveauté de vie, il nous a associés avec lui. Amen.
Il nous a associés avec lui. Est-ce la maladie? Mais à la croix, il a résolu ce problème. Est-ce la pauvreté? Oui, mais à la croix, il a résolu ce problème. De quoi tu parles? La sainteté? Mais à la croix, il est notre sainteté, notre sagesse, notre justification. Tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui te donne la sensation d'être juste? Parce que tu as prié? Non, ça c'est une aberration. Non, c'est parce que l'œuvre de la croix t'a racheté et t'a justifié. C'est pour cela que tu peux t'approcher. Dieu veut voir la croix dans nos pensées, dans nos actions, dans nos attitudes. Il veut voir l'œuvre de la croix. Il veut voir chaque jour quelqu'un qui dit, j'ai été crucifié avec Christ, Galates 2:20. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce fil cramoisi doit être un signe sur ta vie, visible partout, visible partout, visible partout, que Christ est ta vie. Que Christ est ta vie. Mais pourquoi tu te conduis comme un bête comme ça? Tu te fais mal. Mais est-ce que Christ, oui, injurié, il ne rendait pas l'injure. C'est Christ qui est ma vie. L'œuvre de la croix, mes amis. Si nous mettons de côté l'œuvre de la croix, il n'y a plus rien sur laquelle Dieu puisse nous justifier. Pour obtenir grâce, mais prends les arguments de Jésus. Rahab a obtenu grâce. Il y a une prostituée ici que Dieu est venu appeler pour lui dire, moi aussi je t'ai fait grâce. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y a un voleur ici à qui Dieu dit, moi aussi je t'ai fait grâce. Parce que la première personne qui est rentrée dans le paradis, c'est un voleur. Il n'y a personne que la grâce ne peut pas toucher. Regarde-toi toi-même, dis, la grâce me touche. Et elle me sauve. Et elle m'enseigne. La grâce, mes amis. Et cette dame Rahab a trouvé une place parmi le peuple de Dieu. Josué chapitre 6, verset 25. Il nous a dit que Josué a laissé la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Elle a habité au milieu d'Israël. Là où Dieu disait d'exterminer, Dieu n'a même pas dit un mot à ce sujet. La foi. Rahab a eu la foi pour se saisir de la grâce qui lui était offerte. Elle a eu une place parmi le peuple. Rahab était au milieu du peuple, faisait la Pâque avec eux, faisait Pentecôte avec eux. Rahab avait part à l'agneau. Rahab avait part aux herbes amères. Rahab avait part au pain sans levain. Et on voit que c'est une dame qui n'était pas mariée. Parce qu'elle parle de son père, de sa mère, de ses frères. Elle sauve son père, sa mère, ses frères. Mais regardez dans Matthieu chapitre 1, verset 5. On parle de la généalogie de Jésus, de celui qui est venu nous sauver, la lignée la plus pure qui soit. Salmon engendra Boaz, notre fameux Boaz, que les sœurs Ruth connaissent très bien. Engendra Boaz de Rahab, cette même Rahab. Elle a pris sa place, non seulement dans le peuple, mais elle a pris sa place dans la lignée de choix du peuple. Amen. Dieu l'a tirée de la poussière et l'a fait asseoir avec les grands. Amen. Quand on dit, dans toute la lignée, on ne parle pas des femmes.
On dit, Abraham engendra Isaac. Est-ce qu'on a nommé Sarah là-bas? Non. Mais quand il s'agit de Rahab, Dieu dit, point. Attendez, stop. Je veux démontrer ma grâce. Je veux démontrer à quel point j'ai fait grâce à cette femme. Je veux que ça soit mentionné au milieu de tous ces hommes-là. Je veux sa place parmi les grands. Et elle a pris sa place parmi les grands. Là où David s'assoit, si on devait faire une table d'honneur pour la généalogie de Jésus, il y a Rahab aussi qui est assise à côté. Alléluia! La Bible me dit qu'il fait du fumier, il retire le pauvre. De l'indigent, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Avec les grands. Rahab a eu sa place avec les grands. Elle a eu sa place avec les grands. Simplement par la grâce de Dieu. Et cette même grâce est disponible encore aujourd'hui. Si Dieu, par un fil cramoisi, pouvait faire grâce à une femme, à combien plus forte raison aujourd'hui, par l'œuvre achevée de Christ, réalisée, faite, accomplie, terminée, achevée, il te fera aussi grâce. À chaque instant, c'est la grâce dont tu as besoin. C'est la grâce dont tu as besoin. Tu es dans l'indigence. Dis au papa, j'ai besoin de ta grâce. Ne commence pas à citer. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, tout ça, c'est un vêtement souillé à ses yeux. Tout ce qui compte à ses yeux, c'est la foi que tu as en ce que Christ a fait. Quand tu t'identifies à Christ, tu dis, papa, regarde le signe. J'ai cru en ça. Je crois totalement en ça. Et je te fais confiance. Je confesse que tu es mon Dieu. Je te fais confiance. Dans cette solution, dans cette situation, je n'ai pas autre personne que toi. C'est de toi que je trouve la solution. Dieu ne fait exception de personne. Et la même grâce qu'il a faite à Rahab, elle est disponible encore aujourd'hui. Elle est disponible encore aujourd'hui. Quelqu'un est-il au fond du trou en train de se poser la question, mais qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je suis? Suis-je agréable à Dieu? Est-ce que je peux faire quelque chose de bien dans ce monde? Je suis venu te dire par le Saint-Esprit que oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Non point par tes forces, non point par tes mérites, mais par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. L'ennemi te pose-t-il des questions? Dis oui, par la grâce de Dieu. La même grâce qui a été faite à Rahab est disponible pour moi. Et je la saisis. Il est mon Dieu. Il est mon Rédempteur. Il est mon appui. Il est ma solution. Il est ma guérison. Il est ma santé. Il est mon médecin. Il est mon pourvoyeur. Il est ma sagesse, ma sanctification. Jésus de Nazareth, celui qui a tout fait à la croix, c'est celui que je m'appuie. Seigneur, c'est ta grâce dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de rien d'autre que de ta grâce qui va me conduire pas après pas. C'est de ta grâce seule dont j'ai besoin. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Dans les héros de la foi, Rahab est encore là. Elle est encore là. Hébreux chapitre 11, verset 31. La Bible nous dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, jusque... Dieu ne veut pas enlever ça. Il veut qu'on voit l'étendue de sa grâce. Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Elle n'a pas péri avec les rebelles. Quelqu'un va dire, mais Rahab a menti au roi. On a entendu la notion de péché. C'est Dieu qui la donne. Pour Dieu, ce qu'elle a dit là, c'était pas un mensonge. Ne me croyez pas, hein? Parce que tous les habitants de Jéricho avaient entendu aussi la même phrase. Ils avaient entendu aussi les mêmes exploits que l'Éternel avait fait. Mais aucun d'eux n'a confessé que l'Éternel est Dieu dans les cieux et sur la terre. Alors tous étaient des rebelles. Mais Rahab, elle a eu la foi. Elle s'est associée, elle s'est identifiée à ces espions. Et la Bible nous montre qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Quelle que soit la profondeur du trou dans lequel tu te trouves, je suis venu te dire ce matin que la grâce de Dieu, elle est toute suffisante. Sa miséricorde est toute suffisante pour te tirer de là et de t'en faire sortir. La grâce de Dieu est toute suffisante. Toute suffisante. Parce qu'il a tout payé. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Alors baisse la tête. Tel que je suis, sans rien à moi. Baisse la tête simplement. Dépose tous tes papiers. Baisse la tête. Regarde à toi-même. Regarde les efforts que tu fais. Regarde là où tu veux t'appuyer. Si fragile. Mais le Seigneur t'appelle ce matin. Il dit tel que je suis sans rien à moi. Je viens à toi. C'est ce qu'il attend. Il n'attend pas que tu laves tous tes péchés pour avant de venir. Non, il dit viens, moi j'ai la solution. Y a-t-il le manque de sagesse? Je te dis viens, j'ai la solution. Approche-toi du Père maintenant. Approche-toi du trône de la grâce. Il est là, ce trône est en ce lieu. Il a besoin de ton cœur qui s'approche. Veut-il recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Quelqu'un a-t-il compris l'amour de Dieu et veut ce matin se donner au Seigneur? Viens maintenant. Approche-toi de cet autel. Approche-toi. Viens à cet endroit. Sors de ta place et viens. Sors de ta place et viens. Car l'agneau de Dieu a tout payé pour toi. Ah, sakahanda inda basondo robo shende. Ah, karabasanta inda rabasanta inde. Oh, ma karabasanta inda rabahanda. Tel que je suis sans rien, un homme, sinon en ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis.
Vous allez répéter après moi cette prière. Ceux qui veulent naître de nouveau, ceux qui n'ont jamais reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, c'est le premier appel. Alors répétez après moi cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Que tu as payé pour mes péchés. Et que tu es ressuscité pour ma justification. Je confesse de ma bouche maintenant que tu es Seigneur de ma vie, que tu es Sauveur de ma vie. Tu es celui qui me sauve parfaitement. Je te dis merci parce que Dieu est désormais mon Père et je peux l'appeler Papa. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Père. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur pour cette nouvelle naissance. Alléluia. Pour nous qui sommes déjà nés dans la foi, nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous allons prier. Simplement en s'approchant du Seigneur, toujours avec ce chant. Sans rien à moi que ton sang et ta parole qui me dit viens. Ta parole me dit viens. Elle me dit viens, alors je viens. Je viens obtenir grâce et miséricorde. Je viens obtenir grâce et miséricorde. Je reçois le secours dans mes besoins. Commence maintenant à parler à Dieu de tout ton cœur. Et reçois le secours dans le besoin dont que tu sais, le besoin que tu as. Reçois son secours maintenant. Reçois son secours maintenant. Reçois son secours. Reçois son secours. Oh, Satayendarabashenderebahandahinda. Agneau de Dieu, nous venons à toi. Nous venons à toi. Ton peuple vient à toi. S'approche de ce trône de la grâce, le trône du secours, le trône de la miséricorde, le trône du secours, le trône pour la provision. Nous approchons de ce trône pour recevoir. Que celui qui est fatigué reçoive de ce trône de secours la force dont il a besoin. Que celui qui est épuisé reçoive de ce trône le rafraîchissement dont il a besoin. Que l'opprimé reçoive de ce trône maintenant la liberté au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous recevons de ce trône la sainteté dont nous avons besoin. Nous recevons de ce trône la consécration dont nous avons besoin. Nous recevons de ce trône, oh, la grâce de faire du bien partout. Oh, la grâce d'être comme Jésus. Nous recevons de ce trône la miséricorde de Dieu. Nous recevons de ce trône une place dans le ciel. Nous recevons de ce trône, nous recevons de ce trône la victoire sur l'adversité. Nous recevons de ce trône la victoire. Nous recevons de ce trône la persévérance. Nous recevons de ce trône, oh, la victoire. Oh, Santa Yenderebe, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, car il est mort, et il est mort pour que le péché, et par la grâce de Dieu, nous vivons. Nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons tous les jours de notre vie. Merci Seigneur, que la grâce de Dieu gouverne nos cœurs, que la grâce de Dieu gouverne nos vies, que la grâce de Dieu gouverne nos mentalités, que la grâce de Dieu gouverne nos pensées, que la grâce de Dieu gouverne nos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Mandaye ndaraba sakayende. Yikaraba sante ndaraba. Yondo bo shendere bahanda. Raba sakayondo bo sante inde. Pour moi et ta voix qui il y a des personnes qui se retrouvent comme Rahab.
dans une situation où elles savent que leur renommée n'est pas bonne. Pas seulement une question de renommée extérieure, mais en elles-mêmes. Et au fond de ton cœur, tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Tu dis, Seigneur, sauve-moi. Je n'ai pas la force. Sauve-moi. Dieu est venu ce matin pour toi. Alors, s'il y a quelqu'un dans une telle situation, qui a besoin du salut divin, il se lève à sa place. Et les anciens vont passer prier avec vous. Une prière de foi. Une prière de retournement. Une prière d'une entrée nouvelle dans les choses de Dieu. La grâce qui a été faite à Rahab est disponible encore. La grâce de notre Seigneur Jésus est disponible encore. Afin que vous receviez la paix et que vous receviez la force. Alors les anciens, les pasteurs, là, allez prier pour ces personnes. Proclamant avec autorité la délivrance. Car Dieu, Rabba Santa Indaba Sakaïn, et Karaba Santa Indaba Sondo. Église, nous prions. Nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions pour nos bien-aimés. Mandaraba Sondo Boshekere Bahanda. Yikaraba Santa Yandarabahanda Indaba Soko Boshendereba. Yikaba Santa Yandorobo Santa Yendereba. De tous les pièges dans lesquels l'ennemi les a mis, ils en sortent maintenant au nom de Jésus. Délivrez les pièges de l'adversaire au nom de Jésus. Délivrez les pièges de l'adversaire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucune force ne peut vous retenir, car il vous en retire par sa grâce maintenant au nom de Jésus. Oh Santa Yenderebahanda Yikaraba, quel que soit le fumier et la boue dans laquelle vous vous trouvez, il vous en tire maintenant au nom de Jésus. Il vous en tire maintenant au nom de Jésus. La puissance de Dieu est à l'œuvre par sa grâce toute suffisante, sa grâce miséricordieuse, sa grâce compatissante. Elle est là. Mata handa yondoro boshende riba handa yinda basaka yendere bahanda yinda basanta yendere ba rika basondo boshendere bahanda yondo basaka yendere bahanda yinda rabasondo robo riba handa yendere baba bahanda. Oh, tu es aimé du Père, tu es aimé du Père, tu es aimé du Père, et il est venu à ta rencontre ce matin. Reçois son amour, reçois sa grâce, reçois son amour, reçois sa grâce, car tu es aimé du Père. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Ah, Santa Yondorobo Shendereba, Riba Handa Yindaraba, sa grâce vient à bout de tout péché, sa grâce vient à bout de toute addiction, sa grâce vient à bout de toute maladie, sa grâce vient à bout. Sa grâce triomphe, sa grâce est triomphante, sa grâce est triomphante, et elle est répandue comme une onction nouvelle, comme une onction fraîche, elle est répandue sur chacun. Oh Santa Yendereba, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, notre espérance, notre soutien, notre refuge, notre réconfort. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Matahanda Yondorobo Sheke, Riba Santa Yondorobo Santa Yende. La grâce de Dieu, elle est disponible en ce jour. La grâce de Dieu, elle est disponible en ce jour. Il vient te sauver avec puissance. Il vient te délivrer avec puissance. Oh, Santa Yenderebe, les yeux de vos cœurs s'ouvrent afin de voir sa grâce. Afin de voir sa grâce. Afin de voir sa grâce. Vous êtes rachetés. Oh Santa Yende, Minda Handa Yondorobo Shendere Bahanda. Aucun piège de l'adversaire ne pourra vous retenir au nom de Jésus. Aucun piège satanique ne vous retient au nom de Jésus. Mataraba Santa Yendere Bahanda. Ikarababa. Tous les complots du diable sont détruits et vaincus dans votre vie. Vous marchez.
marcher en nouveauté de vie. Mandaraba santa yendereba handa. Ikaraba santa yindaraba. Tout lion satanique qui se lève contre votre vous, sa bouche est fermée maintenant au nom puissant de Jésus. Mandaraba sondorobo shende. Oh manda yendereba. La grâce de Dieu qui était avec Daniel est disponible aujourd'hui. La grâce de Dieu qui était avec Rahab est disponible aujourd'hui. La grâce de Dieu qui était avec Jésus est disponible aujourd'hui. Oh, quel soit notre partage maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce descend sur toi. L'Esprit de grâce descend sur toi. Il fait une puissance dans ta vie et te sauve parfaitement. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui libère parfaitement. Oh mata handa yondo robo shende riba handa yende re basante yende minda la basoko robo shende re bahanda hinda ah yekere bahanda yende re bahanda rakaba saka yende re bahanda yikaba sante yende re kobo shende re mata yenda raba robo sante yende. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Dieu a une histoire. Dieu a un plan. Dieu a une histoire. Il a un plan. Il a une destinée qui est écrite depuis l'éternité. Et sa grâce est suffisante. Suffisante, suffisante. Suffisante en ce jour. Ce n'est pas fini pour toi. N'écoute pas la voix de l'adversaire. N'écoute pas la voix du vindicatif. N'écoute pas la voix de l'adversaire. Écoute la voix du bon berger qui est venu te dire, mon enfant, ma grâce est là, elle est disponible. Prends en possession. Ah, prends en possession. Prends en possession. Pour régner dans ta vie, prends en possession. Pour régner dans ta vie, prends en possession. Pour régner dans ta vie, prends en possession. Ah, Santa Yonde Robo Shendere Bahanda. Ikaraba Santa Yonde Robo Santa Yenderebe. Ikaraba Hondo Bo Shendere Bahanda. Ikaraba Santa Yendere. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui Je viens.
prendre le mien. À prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait. De nous, par la grâce en Jésus, tel que je suis, quelqu'un dit tel que je suis, tel que sans rien à voir, sans rien à sinon ton sang, précieux sang de l'agneau versé pour, et ta voix, comme cette voix que Jésus a entendue à son baptême, elle m'appelle. Je suis bien vacillant, et que je suis bien pas. Le Saint-Esprit nous sent et nous connaît en moi. C'est un jour de restauration de Dieu. Je viens, je. Alléluia, ton cœur est prêt tel que je suis, tel que je suis. Ton cœur est prêt. Amen. À prendre le mien tel pour faire une œuvre nouvelle, pour tout changer, pour. Monter d'un ton et dire tel que je suis, tel que je, ton grand amour, ton grand amour à tout pardonné sans retour, je veux être à toi dès ce jour. Seulement avec nos voix, tel que je suis, tel que je ton grand suis, amour, ton grand amour, amen, à tout pardonner, sans retour. C'est la grâce de Dieu, je veux être à toi, mais ton grand amour, ton grand amour à
grâce. Et le monde au voile, et le monde au voile, et le monde au voile. Et bénissons le Seigneur pour sa grâce. Merci du fond du cœur pour la grâce. Merci pour la grâce manifestée en Christ. Je marche, par cette grâce, je fais toutes choses. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette grâce, je vis. Par cette grâce, je marche. Par cette grâce, je fais toutes choses. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La grâce de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses. Par cette grâce je vis, par cette grâce je marche, par cette grâce je fais toutes choses.